Le projet Coursier BZH a démarré il y a quelques mois maintenant, un peu avant le premier confinement. Il est parti en fait d'un constat à Quimper. Je discutais avec un restaurateur et il me disait qu'il ne voulait pas travailler avec Uber Eats pour des raisons éthiques et puis aussi contractuelles. Il trouvait que Uber Eats lui prenait trop de commissions. Et là, le soir même, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'à Quimper, sur quelque chose d'aussi simple que de livrer à un point A, un point B, on n'a pas une structure alternative à des grandes plateformes mondialisées comme Uber. Et j'étais rapidement sur Internet et j'ai vu que dans d'autres villes, la question s'était posée aussi, puisque une fédération qui s'appelle Copcycle avait créé des coopératives dans plusieurs villes en France et en Europe avec une application qui permettait de résoudre ce trou dans la raquette, ce manque en fait qu'il y a dans certaines villes, c'est-à-dire d'avoir une alternative à la fois pour les habitants de la ville, mais aussi pour les commerçants aux plateformes américaines. Et donc j'ai mûri le projet et il s'est accéléré avec le couvre-feu, puisque un collectif de restaurateurs quimpérois m'a contacté pour me dire « Nous, on ne veut pas travailler avec Uber, t'es notre seule possibilité d'ouvrir à 18h ». Donc là, on a accéléré le projet, donc on a mis en place l'application, donc Copcycle, et plusieurs restaurants, le premier c'était le Cistro à Quimper, nous ont rejoints. On a recruté aussi 2 personnes, et aujourd'hui, on livre tous les jours, le midi, le soir, mais aussi de temps en temps l'après-midi, sur d'autres choses que la restauration, puisqu'on veut aussi diversifier. Le but, vraiment, c'est de décarboner la logistique des derniers kilomètres. C'est de faire en sorte que d'ici quelques temps, on identifie tous les déplacements qui se font en voiture, en camionnette, et qu'on les remplace par le vélo. Enfin, on veut remettre l'humain au cœur d'un projet, créer de l'emploi localement, et faire en sorte que et les commerçants et les clients fassent partie du projet. C'est-à-dire, c'est le fameux consommateur. Si vous achetez aujourd'hui sur Copcycle un menu, eh bien vous allez faire fonctionner 2 commerces locaux. Un qui aurait dû être fermé, un restaurant, puisqu'il a refusé de travailler avec Uber Eats, et nous, les coursiers BZH. Les gens ont envie qu'on ait un récit. J'insiste sur le mot récit, c'est-à-dire je ne crois pas à l'écologie punitive, je crois que les gens ont besoin qu'on les intègre à quelque chose qui leur plaît. Et aujourd'hui, les coursiers BZH proposent ça, c'est-à-dire proposer localement une alternative à Uber Eats, ça plaît. Maintenant, il reste à structurer, à mettre en place, mais c'est vraiment en coopérant, en ayant une approche collective, qu'on pourra réussir à mettre quelque chose en place de pérenne à Quimper. Du coup, moi, c'est Tristan Rombaud, je suis gérant du Cistro à Quimper. Je m'occupe de toute la partie service et cuisine avec mon équipe. Le projet Copcycle avec Sébastien, en fait, ça a commencé, on est arrivé, il est venu un jour au restaurant avec moi et Erwan Gir, en fait, qui est le patron du Cistro. Et il nous a parlé, nous a demandé pourquoi on n'était pas chez Uber Eats. Et on lui a expliqué que, éthiquement parlant, ce n'est pas du tout notre philosophie, hein, Uber, par rapport déjà aux employés et puis à tout ce qu'il y a autour. Et il nous a parlé d'un projet de Copcycle, qui est donc une application qui a été fait en levée de fonds par des Européens et principalement par des gens écologiques avec un respect éthique. Et du coup, pendant presque 3 mois, on a travaillé sur le projet, la livraison sur Quimper, comment s'organiser, le périmètre. Et suite à ça, on a réussi à faire la vraie course le 20 janvier, je pense, comme ça, si je ne me trompe pas. Mais en fait, chez Braze, les coursiers BZH, la valeur, c'est déjà, ce sont des salariés, les coursiers, premièrement. Chez Uber Eats, c'est des indépendants. Ensuite, on est humain chez nous, c'est-à-dire que quand il y a un problème, on parle, on s'appelle. Ensuite, il n'y a que des vélos. Malheureusement, on a pu voir sur quelques années sur Uber Eats ou autres plateformes de livraison, il y a souvent des voitures. Nous, ça sera du 100% vélo. Il y a aussi que ça soit une entreprise, c'est-à-dire que les coursiers ne sont pas individuels, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un coursier qui fait 2 courses et l'autre 4 que l'autre sera mieux payé que l'autre. Non, ça sera les 6 courses qui seront comptées. Donc c'est ça aussi. Donc il y a le côté un peu collectif qui est intéressant. Alors aujourd'hui, on est trois personnes à travailler, on va dire des personnes qui travaillent toute la semaine, et on a 3 autres qui vont travailler le week-end. On a besoin pour 3 restaurants, on a besoin d'être 6.
tellement il y a de commandes le week-end. Donc il faut s'adapter. On a pris des étudiants qui sont étudiants et qui sont ravis aussi d'intégrer ce projet, pas seulement en tant que coursiers. On les forme aussi pour faire de la gestion, du marketing, la communication. Et après, peut-être, s'ils veulent, ils vont avoir plus d'heures. Tout dépendra de leur évolution dans leurs études. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des partenaires à Quimper comme Biocop. Biocop, c'est important parce qu'ils ont tout de suite décidé d'investir dans un vélo cargo pour pouvoir nous permettre de faire des courses où il y a davantage de poids. Donc c'est ce vélo cargo qui va arriver au printemps. C'est vraiment pour nous quelque chose d'important parce qu'il va se faire remarquer dans la ville aussi. Et on a aussi Ravi, on livre des livres pour Ravi. L'ancienne Truffaut aussi va nous rejoindre. Et petit à petit, d'autres enseignes. Il y a la boulangerie Pain et Queen aussi qui est importante parce qu'eux, ils sont un peu sur tous les fronts, je dirais, parce qu'on livre par exemple pour le Sistro des burgers de la boulangerie. Donc il n'y a plus de voiture qui vient chercher les burgers à la boulangerie. C'est nous qui les amenons au restaurant. On livre aussi des personnes qui sont en mobilité réduite, c'est-à-dire qui ne peuvent pas venir chercher leur gâteau breton, leur queen à la boulangerie, et on va les livrer en vélo. Et puis on va rechercher tout un tas de partenaires pour justement ne pas être que dans la restauration. Parce que la restauration, c'est quand même des créneaux qui sont réduits dans la journée, et donc pour avoir davantage d'heures de travail, on a besoin de structurer, de trouver d'autres partenaires pour travailler. Oui, alors c'est CopCycle, en fait, c'est des scopes, ou des, ce qu'on appelle des scopes, ou des SIC, mais c'est principalement des scopes, c'est ce qu'on appelle une coopérative. Et l'idée, c'est que les coursiers, en fait, soient membres à part entière de la SCOP, et pas que des salariés, en fait, et qui décident aussi de la stratégie. En fait, l'idée, bien sûr, dans la SCOP, c'est la coopération et la prise en compte des coursiers dans le fonctionnement du projet. Ça, c'est très important. Donc, je suis Frédéric Alain et je suis gérant de la Biocop avec ma compagne Céline. Et effectivement, on a rencontré Sébastien automne de l'année dernière. Et il nous a parlé de son projet, donc un projet de livraison qui serait une alternative à tout ce qui est ubérisation avec Deliveroo ou toutes ces applications-là. Et son idée était de faire une livraison coopérative à vélo. Donc c'est quelque chose qui nous intéressait puisque c'est quelque chose qu'on envisageait, qu'on ne pouvait pas nous faire seul parce que il faut des moyens humains, il faut encore du temps pour s'en occuper. Et donc son projet tombait à point pour nous aussi. Et l'idée a été de travailler avec lui en termes de livraison. C'est-à-dire que les gens, nos clients peuvent faire les courses chez nous et se faire livrer s'ils le souhaitent par les coursiers BZH. Il suffit qu'ils nous le disent et hop, on appelle l'application et on organise la livraison. L'autre moyen étant de commander par le biais du drive sur bio.coop. Donc c'est le drive de Biocop Quimper. Vous pouvez faire vos courses et tous les produits de la Biocop, fruits et légumes compris, et donc après de nous appeler pour organiser la livraison de la même façon avec les coursiers BZH à vélo. Et donc l'idée des coursiers BZH à vélo, c'est vraiment l'intérêt que ce soit coopératif et donc que les gens soient salariés de l'entreprise, ce qui vraiment nous convenait, ce à quoi on a adhéré tout de suite. Biocop décide de financer un vélo pour les coursiers BZH et donc à partir de juin, eh bien, on aura un vélo coursier BZH Biocop à circuler dans les rues de Quimper pour vous livrer à vélo. Alors le fonctionnement est très simple. Effectivement, l'application CopCycle qu'on télécharge avec son téléphone est au cœur du projet. C'est-à-dire c'est elle qui nous permet d'avoir un suivi simple à la fois pour nous et aussi pour le client. En fait, vous voulez commander, vous allez télécharger l'application. Une fois que vous avez téléchargé, vous allez chercher la ville de Quimper sur le menu déroulant de l'application. Quand vous êtes sur Quimper, vous avez sélectionné la ville de Quimper. Donc vous verrez aussi qu'il y a beaucoup d'autres villes. Il y a Berlin, il y a Barcelone, il y a Nantes. Et vous allez voir les restaurants partenaires. C'est-à-dire les restaurants partenaires vont apparaître. Là, mettons que vous avez déjà fait votre choix, prendre un plat au Sistro. Ben, vous allez faire votre panier au Sistro et vous allez payer en ligne. Une fois que le restaurant a accepté la commande, nous, on reçoit une notification et le coursier va aller chercher la commande
au Sistro pour la livrer ensuite au client. On est moins cher, et ça c'est important de le dire, que Uber Eats, donc moins cher pour le client, mais aussi pour le commerçant. Et donc c'est quelque chose qui est important, parce que pour le commerçant, le restaurant, bah, si on lui prend moins de commission, il a plus envie de venir travailler avec nous. Voilà.